Mon assiette du jour, brocoli et tomates cerises relevées avec du jus de citron, 50 g de lentilles vertes et 25 g de riz avec des clous de girofle et des herbes de Provence pour le goût. Et ça, c'est mon tofu que j'ai fait mariner hier, que j'ai fait frire à la poêle avec de l'huile et c'est méga bon. Et la théière du jour, c'est le thé vert superfood lovely de chez Terre d'Oc. Bonjour. Nous sommes mercredi 18 mars, c'est le troisième jour de confinement. Il est 3h moins le quart. J'ai pas du tout filmé ce matin parce que j'avais pas vraiment envie. J'avais juste envie de traîner chez moi en pyjama, de me faire à manger tranquillement, de regarder mon épisode de Better Call Saul tranquillement. D'ailleurs, je suis arrivée au dernier épisode disponible sur Netflix, donc à partir de demain, il va falloir que je regarde autre chose. Vous inquiétez pas, je sais déjà ce que je dois regarder. C'est sur ma liste. Les choses à faire pour aujourd'hui, c'est encore assez light, vu que il me reste plus tant de temps que ça, parce que je rappelle que le fait de filmer et de monter la vidéo en même temps que je fais mes tâches ménagères et compagnie, ça me prend énormément de temps. Ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est très simple. Je vais me refaire mon rose sur les pointes de mes cheveux, que ça fait un moment que c'est tout parti, et je trouve ça triste, donc je vais le refaire. C'est bizarre. C'est pour une conne un peu. Et surtout, je vais dépoussiérer et réorganiser les bibliothèques qui se trouvent derrière moi. Parce que j'ai un petit peu de tri à faire, notamment des DVD que je regarde pas et que je regarderai pas, que je vais virer. Et surtout, je dois réorganiser l'étagère qui est juste ici. Parce que les chats ont tendance à passer sur mon fauteuil et à monter dessus. Et à essayer de jouer avec mes poupées. Donc, du coup, comme vous pouvez le constater là, j'ai enlevé la moitié des poupées qui étaient là. Je vais devoir réorganiser pour mettre les poupées ailleurs. Et ici, je vais probablement mettre soit des livres, soit des DVD, enfin des trucs avec lesquels les chats ne peuvent pas jouer. Avoir des chats, c'est à la fois un grand bonheur et une foutue malédiction. Donc, sans plus attendre, je m'en vais me colorer les cheveux en rose. Je viens de rincer la couleur, je vais laisser ça sécher tranquillement à l'air libre et je vais me lancer dans mon grand projet de l'après-midi. Eh ben, ça m'aura pris 2 bonnes heures, mais c'est terminé. Voilà. Du coup, j'ai décalé mes mangas ici. J'ai mis les BD qui étaient tout en bas, juste là. En bas, j'ai plein de place pour mettre du bordel au besoin. J'ai décalé des poupées restantes ici. Là, il me restait un petit coin, donc j'ai mis mes cartes Pokémon et plein de bordel, de petites figurines, de trucs de machin que je savais pas où mettre.
Et ensuite, c'est grosso modo resté la même chose. Les DVD, j'ai juste décalé certains DVD. Là, il y avait mes livres Harry Potter, je les ai descendus là et les doublons, je les ai mis là. Sinon, le reste, c'est sensiblement la même chose, hein. J'ai juste nettoyé. Et tout en haut, j'ai mis tous les trucs que je veux virer et que j'emmènerai sûrement chez Cash Converters quand on sera plus confiné. Je me rends compte que cette vidéo va être beaucoup plus courte que les deux précédentes, malgré le fait que ça m'a pris énormément de temps à faire ça. Ça m'a pris minimum 2 heures. Mais j'ai pas tout filmé, parce que déjà imagine un fichier vidéo de 2 heures à monter et à charger sur le logiciel, la galère. Non merci. Et puis, je pense pas que ce soit non plus très très intéressant de me voir tout faire de A à Z, donc j'ai juste filmé quelques petits bouts. Et je vais monter tout ça pour faire en sorte que ce soit pas trop long, parce que sinon c'est chiant. Donc, cette vidéo va être beaucoup plus courte que les deux précédentes, mais dans l'absolu, je me dis que c'est pas très très grave. C'est tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui. Bien évidemment, demain, je sortirai de nouveau un vlog. Je ne pense pas faire du rangement ou du ménage demain, même s'il me reste encore plein de trucs à faire. Parce que je vous avoue, je commence à en avoir un petit peu marre. Et j'ai d'autres trucs à faire qui sont un peu urgents que du ménage. Donc je pense que demain, on va partir sur de la bouffe. Ça me paraît bien, hein, un vlog bouffe. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on fait comme ça. Je vous dis à demain pour un vlog bouffe. Je vous remercie d'avoir passé encore une fois la journée avec moi. Portez-vous bien et à bientôt. À demain, en fait.